très ferme, la suspension. Ouais, un petit peu trop, je trouve. Ça se règle peut-être. Moi, ce qui me choque un petit peu plus, c'est le fait qu'il n'y ait que 5 vitesses. Ça, je dois avouer que là, je comprends pas trop. Moi, je sais pas pour toi, mais je pense que je vais être frustré quand je vais arriver à la cinquième. J'aurai envie de passer une sixième, quand même. Oui, oui, mais oui. T'es frustré aussi, c'est ça? Oui, exactement. Un petit peu. Pas frustré, non, pas frustré, mais ça fait bizarre de pas avoir une sixième à passer. Oui, je trouve. C'est dommage. Je sais pas pourquoi ils ont choisi de pas mettre de sixième, mais... Ah ben, c'est certainement un choix de technique, tout simplement. Oui, oui. Bon, ça chante fort, hein, quand même. Ah bah oui. Pour une petite voiture, c'est quand même... Ça pousse bien aussi, quand même. Oui, ça pousse, ça chante bien. Le volant est agréable. Tout. Même la position de conduite, on est bien. Ah bah oui, mais attends... Le siège baquet, là, c'est quand même quelque chose aussi.
Bonjour les copains. Aujourd'hui, pas de Lotus Elise, pas de Fiat 500 X Sport, pas de Volvo C70, pas de Volvo C30 non plus. Mais, comme vous pouvez le voir, une magnifique, et quand je dis magnifique, je pèse mes mots, Abarth 595 Monster Energy Yamaha. C'est son nom complet. Écran tactile, bon, on voit un petit peu la poussière à cause du soleil, hein, vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps de l'illustrer. Donc on est à côté du château, histoire d'avoir un joli spot pour cette petite merveille qui fait un bruit magnifique, vraiment magnifique, il faut reconnaître. Seul petit regret. On va commencer tout de suite par les regrets. Une boîte 5 vitesses. Que ce soit manuel ou automatique, de toute façon, c'est 5 rapports. C'est mon petit regret, j'aurais bien vu une sixième. Et mon autre petit regret, c'est la fermeté un petit peu des sièges. Il faut quand même reconnaître que ça a tendance à être un peu dur quand on roule. Après, bon, c'est une voiture de sport quand même, hein. Il faut pas non plus... Voilà, c'est pas la Mercedes-Benz de papy, hein. On est clairement sur une voiture de sport, avec les sièges baquets qui vont bien, voyez, avec la jolie griffe Monster, le Yamaha Factory Racing, en hommage au Yamaha Moto Grand Prix. On a même le droit, alors je vais essayer de filmer, ça va être un peu à l'envers, mais bon, à une plaque ici. Je ne sais pas si on la voit très très bien. Ça, c'est le cordon. Hop là. Voilà, une petite plaque, édition limitée, 2000 exemplaires. C'est vraiment, c'est le petit cachet qui rajoute voilà, du bonheur en ces temps difficiles. Alors sous le capot, il y a un 4 cylindres en ligne, 4 soupapes par cylindre. Donc, c'est un petit moteur, mais en même temps c'est une petite voiture, donc ça change rien, ça cause. 165 chevaux, et ça c'est pas rien. Je remercie d'avance Gaël de la concession qui nous a prêté cette voiture, vraiment très gentiment. Essayer de vous tourner un petit peu. Voilà. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Regardez ça. Magnifique. C'est magnifique. On ne peut qu'être admiratif d'un joujou comme ça. On a de super enceintes. Je vais vous montrer celle qui est de l'autre côté. Plus facile à filmer. Vous voyez ? On en a un petit peu partout dans l'habitacle, c'est ça qui est bien. Alors, les vitres ouvertes, je peux vous dire que ça donne quand même. Hein. On a du son. Chose en plus par rapport à mon Elise, une boîte à gants, hein, avec l'espace quand même. Bon, évidemment, après, on a la console qui est ici. Beats Audio, pour ceux qui connaissent, hein, Dr. Dre. Donc là, le Uconnect, c'est les importants, respecter le code de la route, blablabla. Bla bla bla. Skyrock, bon, on a le média qui est ici. Connecter dispositif, donc il faut mettre un téléphone. La navigation, GPS. Le Uconnect, soit tout le monde connaît, le téléphone, je vais pas le mettre. Hein. Réglage, trip, enfin bon, bref, il y a à peu près tout ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment, c'est génial, quoi. Tout ça dans une petite bombinette
de 165 chevaux. Vous allez voir, on va la faire rouler un petit peu, on va lui faire cracher son numéro de série, comme dirait Martin Lawrence dans Bad Boys. Elle est sublime. Je vais vous montrer aussi le moteur, quand même, on va descendre. Chose promise, chose due, voici le moteur. Avec le Scorpion. Au passage, je suis du mois de novembre. Moi aussi, j'aime bien les Scorpions. Peut-être pour ça qu'on s'entend bien, la voiture et moi. Bon, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, peu de chance. Mais il y a du soleil, ça c'est classe. Les jantes de 17 pouces, vraiment typées rallye quand même. Là, on est clairement sur des jantes sportives qui rappellent un petit peu les circuits. Ça va bien avec l'esprit Yamaha. Jantes vraiment magnifiques. Dissimulé ici derrière les jantes, on voit une petite partie des suspensions sur de beaux petits disques quand même ventilés et perforés. Avec le logo Abarth peint en noir, une splendeur. Moi je suis fan, je sais pas pour vous. Vous me direz en message, mais j'adore. De chaque côté, les logos Yamaha Factory Racing 595. Alors, c'est de simples stickers, je sais pas trop comment ça vieillit après, mais bon, le petit 595 qui va bien. Et puis, un petit peu plus bas, même beaucoup plus bas. Voilà. Vous retrouvez le logo Yamaha Factory Racing qui est juste à côté du pneu à l'avant en fait. Ah, on peut dire que question déco, là ils ont mis le paquet. Et quand on la voit arriver dans un rétro, celle-là, on se dit oui, oui, oui. Elle n'est pas là pour jouer. Et ouais, le petit plus, le tout ouvrant. La classe quand même sur une petite bombinette comme ça. Ha. Tu nous la démarres ? Avouez, c'est un plaisir ça quand même, hein.
si ça c'est pas la classe, ça y ressemble beaucoup. Ah. Et voilà, il me refait le coup. Il va se sauver avec ma voiture. Ah non, marche arrière. Il est heureux le pilote amateur ? Ouais, ça va, super. C'est bien, hein ? J'ai trouvé une touche qui est intéressante. Ah, ce serait pas la touche sport par hasard ? T'as entendu le changement de bruit du moteur ? Ah oui, j'ai entendu. Bah, tout le monde l'a entendu, le bruit du changement du moteur. Là, hein. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, hein, la touche sport, hop, elle est là. Donc, quand vous avez le moteur en marche, vous appuyez toc, ici et là, ça change tout. Eh bah oui. Il faut quand même justifier le fait que ce soit une Abarth. Sinon c'est pas amusant.
l'utilité du compteur. Donc ça, voilà, ça c'est le démarrage. Moteur classique. Donc là, bon, on constate qu'il y a une portière ouverte à droite, c'est normal, je ne l'ai pas fermée. Bon, bah, il y a le frein à main, j'ai pas de ceinture, et puis le moteur n'a pas encore démarré, mais incessamment sous peu. Et par contre, si j'appuie sur le mode sport, regardez bien ce qui se passe. Là, le compteur a complètement changé. Vous avez la température de l'eau à gauche, à droite, la réserve de carburant, l'huile qui est en haut. Portière ouverte, voilà, moteur, ceinture, comme d'habitude. Et au centre, vous avez les kilomètres-heure. Et bien sûr, là, le petit point, franchement, qui est top de chez top, c'est pas un rond qui est au milieu de la flèche, c'est un G, comme le point G qu'on peut retrouver en Formule 1, ou en Moto Grand Prix, ou dans tous les sports automobiles en général, d'ailleurs. Donc, quand vous accélérez, vous voyez le point G qui se déplace, suivant les virages que vous prenez, gauche, droite, si vous accélérez, si vous freinez. Et ça, c'est quand même... c'est le top. Là, ils ont fait fort à Barthes, là, pour ça. Le compteur, c'est vraiment magnifique. Là, on peut le remettre normal. Tac, et voilà. Et on peut changer comme ça, à volonté. Là, moi, je suis amoureux de ce compteur. Vraiment top. Ici, le petit bouton ouverture des vitres. Alors, bizarrement, moi, je pensais qu'il fallait tirer pour descendre, mais il faut appuyer. J'aurais plutôt vu ça dans l'autre sens. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, je sais pas. Pourquoi pas, après tu t'habitues. Oui, c'est peut-être une question d'habitude. Bon. Ça fait classe en tout cas. Enfin, on est bien à bord. Hein. Ouais, on est bien. On est vraiment bien installé. Oh, on n'a pas trop envie de bouger. Il faut quand même qu'on ramène la voiture à Gaël. Ah oui, il faut qu'on ramène la voiture à Gaël, tu crois? Oh bah oui, il serait pas content si on lui ramenait pas. Ouais. Oh, puis il faut dire que c'est quand même un super vendeur, donc... Un super vendeur, un top. En fait, voilà, pour vendre des voitures, il suffit pas d'arriver, de dire, voilà, il y a 4 cylindres, machin truc, bon, en ligne, 165 chevaux. Non, il faut être aussi sympa avec le client, il faut être cordial, aimable, tout ce qu'on veut. Et puis il faut faire preuve aussi d'une certaine passion. T'es d'accord, hein? Et je pense que là, en nous prêtant une voiture comme ça, en nous faisant confiance, Magaël, il est quand même top. Oui, sûr. Ah oui. Alors, on est parti? Ouais, allez, on est parti. On va la ronde quand même. Bon, pas de frein à main, rien. Moi, je mets le mode sport. Hein. Allez, vas-y, mets. Ouais, have a fun. Une voiture comme ça, c'est en mode sport, ça se démarre, c'est pas... Oh, beau hein, quand même comme bruit, ça. Et écoute-moi ça. Doucement, parce qu'il y a le petit père là derrière. Ah oui, on va essayer de tuer personne aujourd'hui quand même. Ah, c'est creusé un peu. Hein. Ouais. Ça va bouger sur la caméra. Oui. C'est normal. Oh, le mode sport est plus virulent que à l'aller sans le mode sport. Mais là, il va falloir que tu ailles doucement parce que c'est quand même le parc du château. Ah, bah, je suis à 30. Hein. Bon, 30, 32, 30, 30.
35, 30, bon, ça varie, mais je suis à 30 km à peu près. Je suis quand même, je suis gentil. Ah, ce compteur est magnifique. Ah oui, j'aime bien, moi. Ah oui, puis même le petit... Ah, génial. C'est top. Tout est à portée de main. La boîte 5. Ouais, la boîte 5, c'est... Bon, la boîte 5, oui. Bon, bah, on aurait bien aimé une petite sixième, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir une raison technique, mais... Parce que même sur la Fiat 500X Sport, il y a 6 vitesses. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi... Pourquoi sur la barre, il n'y en a que 5 ? Attention, il y a des jolies mamans qui traversent, oh, à l'école. J'ai pas le droit d'écraser non plus les jolies mamans. Non, non, non plus. Alors, ni les anciens, ni les jolies mamans. Est-ce que je peux écraser les moches ? Bah, je sais pas. Tiens, il y a une jolie voiture là-bas. Merde, je mets même mon clignotant, regarde. Bah, c'est un minimum. Conduite exemplaire. Hein. Bah oui. Alors, je rappelle à tout le monde quand même que même si on conduit des voitures de sport, qu'on se fait plaisir dans la vie, la ceinture c'est obligatoire, on respecte les limitations de vitesse, et bien sûr la signalétique, on fait pas n'importe quoi sur la route, c'est pas un jouet, et on n'est pas sur un terrain de jeu. C'était mon petit message prévention routière. Sensation. Bah écoute, moi je pourrais passer, je pense facilement quelques heures dans cette voiture avant d'avoir envie de m'arrêter pour faire le plein par exemple. Ou un petit pipi. Mais oh, c'est très glamour. Ah bah oui. Bah, écoute, mais franchement, moi j'ai pas envie du tout de la rendre. Hein. Bah, on est très bien. Je pense qu'il veut bien que tu la gardes si tu lui donnes un chèque en échange. C'est là que le bas blesse. Bah oui, je pense. Il faudra lire la description sous la vidéo, mais malheureusement, il faut laisser un chèque.